Bonjour et bienvenue dans cette formation gratuite, les stratégies avancées pour gagner aux courses hippiques. Bienvenue dans cette formation gratuite, je m'appelle François Hillien, cela fait plus de 15 ans que je joue aux courses hippiques et aujourd'hui je vais vous montrer dans cette formation gratuite les stratégies avancées pour gagner aux courses hippiques. Alors si vous êtes passionné de courses hippiques comme moi, vous savez sans doute qu'il faut être armé de stratégies efficaces pour augmenter vos chances de gagner. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des techniques avancées pour maximiser vos gains aux courses hippiques. Partie 1, la gestion de la bankroll. La gestion de la bankroll est l'un des éléments les plus importants pour réussir aux courses hippiques. Nous allons vous apprendre à gérer efficacement votre capital pour ne pas vous retrouver à sec trop rapidement. Nous vous donnerons également les astuces pour augmenter votre capital de façon évidemment régulière. Partie 2, les paris combinés. Les paris combinés sont une technique avancée qui vous permet de maximiser vos gains en pariant sur plusieurs chevaux en même temps. Nous vous expliquerons en détail comment fonctionnent les paris combinés et comment les utiliser pour augmenter vos gains. Partie 3, l'analyse des courses. L'analyse des courses est une étape cruciale pour réussir aux courses hippiques. Nous vous apprendrons à analyser les courses en détail pour repérer les chevaux les plus performants et augmenter évidemment vos chances de gagner. Dans la partie 4, les pronostics. Les pronostics sont un élément clé pour gagner aux courses hippiques. Nous vous donnerons des astuces pour établir des pronostics fiables en analysant les performances passées des chevaux et évidemment des jockeys. Dans la partie 5, la psychologie du parieur. La psychologie du parieur est souvent négligée, mais elle peut avoir un impact important sur vos résultats aux courses hippiques. Nous vous donnerons évidemment des conseils pour rester concentré et ne pas laisser vos émotions prendre le dessus lors de vos paris. Et pour conclure un petit peu tout ça, vous disposez maintenant des techniques avancées pour maximiser vos gains en course hippique. Donc en appliquant ces stratégies de manière rigoureuse, vous augmenterez vos chances de gagner de manière significative. N'oubliez pas que la réussite aux courses hippiques nécessite de la patience, de la discipline et un travail constant d'analyse et de recherche. Allez, c'est parti! Partie 1, donc la gestion de la bankroll. Dans cette première partie, nous allons aborder un sujet crucial pour les parieurs hippiques, la gestion de la bankroll. La bankroll est le montant d'argent que vous êtes prêt à investir dans les paris hippiques. Il est donc essentiel de la gérer de manière responsable pour maximiser vos gains et minimiser évidemment vos pertes. Voici quelques conseils pour bien gérer votre bankroll. Premièrement, fixez-vous un budget. Avant de commencer à parier, déterminez le montant d'argent que vous êtes prêt à investir. Ne pariez jamais plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre. C'est une règle d'or. Deuxièmement, établissez des objectifs réalistes parce qu'il est important de fixer des objectifs à long terme mais aussi à court terme. Par exemple, vous pouvez décider de parier une certaine somme d'argent chaque semaine et de vous fixer un objectif de gain raisonnable. Troisièmement, évitez les paris trop risqués. Les paris hippiques peuvent être très imprévisible. Il est donc important de ne pas prendre de risques inutiles. Évitez par exemple les paris trop audacieux et privilégiez plutôt les paris sûrs et fiables. Et quatrièmement, gérez vos mises. Ne misez jamais plus de 5% de votre bankroll sur un seul et unique pari. Ainsi, si vous perdez, vous ne risquez pas de perdre trop d'argent en une seule fois. En suivant évidemment ces conseils, vous serez donc en mesure de gérer votre bankroll de manière efficace et évidemment d'optimiser vos chances de gagner aux courses hippiques. Partie 2, les paris combinés. Les paris combinés peuvent être un excellent moyen de maximiser vos gains en course hippique, mais ils peuvent aussi être risqués si vous ne savez pas comment les utiliser correctement. Alors dans cette partie, nous allons vous expliquer ce qu'est un pari combiné, comment cela fonctionne et surtout comment vous pourrez les utiliser pour maximiser vos profits. Alors, 1, les différents types de paris combinés. Il existe plusieurs types de paris combinés aux courses hippiques, notamment le pari double. Vous devez choisir les gagnants de deux courses consécutives, les paris triples. Vous devez choisir les gagnants de trois courses consécutives, le pic 4. Vous devez choisir les gagnants de quatre courses consécutives et le pic 6. Vous devez choisir les gagnants de six courses consécutives. Chaque type de paris combiné implique de plus en plus de courses et peut rapporter des gains de plus en plus évidemment élevés. Les avantages et les inconvénients des paris combinés. Alors, les avantages des paris combinés sont évidemment évidents. Ils peuvent vous permettre de gagner des sommes importantes d'argent
en misant une petite somme de départ. Cependant, les paris combinés sont aussi plus risqués que les paris simples, car si vous perdez un seul pari, eh bien vous perdez l'ensemble, évidemment, de vos mises. Il est donc important de bien réfléchir avant de faire des paris combinés et surtout de s'assurer que vous êtes prêt à prendre ce risque. Comment utiliser les paris combinés pour maximiser vos paris? Bien, c'est simple, pour maximiser vos profits avec les paris combinés, il est donc important de prendre en compte les éléments suivants. Alors, premièrement, la cote. Les cotes peuvent varier considérablement d'une course à l'autre. Il est donc important de bien comprendre comment fonctionnent les cotes et surtout comment les utiliser pour maximiser vos gains. Les stratégies, vous devez donc développer une stratégie de paris solide qui prend en compte les risques et les avantages de chaque type de paris combiné. Il est également aussi important de garder un œil sur les tendances et les performances des chevaux pour faire des choix éclairés. La gestion de la bankroll, comme pour tous les types de paris aux courses hippiques, la gestion de la bankroll est cruciale. Vous devez définir un budget et vous y tenir en ne misant jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et en suivant ces conseils, évidemment, vous pouvez utiliser les paris combinés pour maximiser vos profits aux courses hippiques et vous assurer que vous tirerez le meilleur parti de votre expérience de jeu. Partie 3 de la vidéo, formation gratuite, les stratégies avancées pour gagner aux courses hippiques. Dans cette partie, cette fois-ci, nous allons aborder l'analyse des courses. Ah, c'est ma préférée ici. L'analyse des courses est l'une des compétences les plus importantes pour les parieurs hippiques. Cela vous permet évidemment de comprendre les forces et les faiblesses de chaque cheval, ainsi que de prédire le résultat de la course. Tiens, voici quelques éléments clés à prendre en compte pour analyser les courses. L'histoire des courses, il est important de comprendre les courses précédentes auxquelles les chevaux ont participé. Examiner les résultats passés pour chaque cheval, la piste sur laquelle il a couru, la distance et la classe de la course. Cela vous aidera évidemment à déterminer la forme actuelle du cheval. Deuxièmement, les statistiques des jockeys et des entraîneurs. Les jockeys et les entraîneurs ont une grande influence sur les performances des chevaux. Étudiez leurs statistiques pour connaître les taux de réussite dans les courses précédentes. Si par exemple un jockey a un taux de réussite élevé sur un cheval en particulier, cela peut être un signe positif pour ce cheval. Les conditions de la piste aussi. Les conditions de la piste peuvent avoir un impact important pour les performances des chevaux. Si par exemple la piste est lourde ou sèche, certains chevaux peuvent avoir un avantage sur les autres. Examinez les conditions météorologiques, ça je l'ai déjà dit plein de fois, hein, et la nature de la piste pour prédire l'effet sur les performances des chevaux. L'état de forme du cheval. Il est donc important de savoir que si un cheval est en forme ou non, si un cheval a connu une longue période sans courir, il peut ne pas être en mesure de donner le meilleur de lui-même lors de la prochaine course. Alors, étudiez la forme actuelle du cheval que vous allez jouer et les performances précédentes pour comprendre sa capacité actuelle. En comprenant ces éléments clés et en faisant des recherches approfondies sur chaque cheval, eh bien vous serez en mesure de faire des choix de paris beaucoup plus éclairés et évidemment d'augmenter vos chances de gagner aux courses hippiques. La partie 4, les pronostics. Dans cette partie, nous allons aborder les pronostics qui sont une étape cruciale pour gagner aux courses hippiques. Les pronostics consistent à prévoir les chevaux qui vont finir dans les premières places d'une course et sont donc indispensables pour réussir à parier sur les bons chevaux. Voici la stratégie avancée que nous allons voir dans cette partie. Alors, elle est en 5 parties. Prêt ? Première partie, c'est parti, hein ? Analyser les performances passées des chevaux. L'analyse des performances passées est un élément clé pour réussir les pronostics. Il faut donc étudier les courses précédentes auxquelles le cheval a participé, en gardant notamment son classement, son temps de course, sa position de départ et d'arrivée, ainsi que de la qualité de ses adversaires. Ces informations, évidemment, permettent d'évaluer la forme et la régularité du cheval, ainsi que sa capacité à s'adapter aux différents types de courses. Prendre en compte les conditions météorologiques. Les conditions météorologiques ont un impact direct sur la performance des chevaux. En effet, certains chevaux préfèrent courir sous la pluie, tandis que d'autres préfèrent les courses ensoleillées. Il est donc important de prendre en compte ces facteurs pour établir ces pronostics et évidemment de se renseigner sur les prévisions météorologiques avant chaque course.
Troisièmement, analyser les commentaires des experts hippiques. Les experts hippiques sont des professionnels qui analysent les courses hippiques et qui donnent leur avis sur les performances des chevaux. Leurs commentaires peuvent être très utiles pour établir des pronostics car ils disposent d'une grande expérience et d'une connaissance approfondie. Donc, autant les utiliser. Ils ont une connaissance approfondie évidemment des chevaux et des courses. Il est donc recommandé de consulter les commentaires des experts hippiques avant de faire ses pronostics. Quatrièmement, utiliser les outils de pronostic en ligne. Il existe aujourd'hui de nombreux outils en ligne pour établir des pronostics tels que les sites de paris hippiques, les blogs spécialisés ou encore les applications mobiles. Ces outils fournissent des statistiques détaillées sur les chevaux et les courses ainsi que des conseils de pronostics basés sur des algorithmes de calcul complexes. Évidemment, il est donc judicieux d'utiliser ces outils pour maximiser ses chances de réussite. En suivant donc ces stratégies avancées, vous serez donc en mesure d'établir des pronostics précis et fiables et ainsi de maximiser vos chances de gagner aux courses hippiques. La partie 5 sur la psychologie du parieur. La psychologie du parieur est un élément important pour gagner aux courses hippiques. Et oui, c'est vraiment un élément important. Dans cette partie, nous allons donc nous concentrer sur les aspects psychologiques liés au pari hippique et surtout comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Premièrement, la discipline. La discipline est un élément crucial pour tout parieur qui veut gagner régulièrement. Il est donc important de respecter votre plan de jeu et de ne pas faire des paris impulsifs ou excessifs. La discipline implique également de ne pas se laisser influencer par ses émotions et de garder une attitude rationnelle tout au long des courses. La confiance en soi essentielle pour réussir dans les paris hippiques. Si vous manquez de confiance, vous risquez de prendre des décisions impulsives ou de ne pas suivre votre stratégie de pari. Il est donc important de croire en vos propres capacités et de ne pas avoir peur de prendre des risques calculés, évidemment. Troisièmement, la gestion des émotions. Les courses hippiques peuvent être très stressantes. Et il est facile de se laisser emporter par ses émotions. Il est donc important de savoir comment gérer ses émotions, en particulier la colère, la frustration ou l'excitation. Si vous vous sentez frustré ou en colère après une course perdue, alors vous savez quoi, il est préférable de faire une pause et de vous ressaisir avant de placer d'autres paris. La patience. La patience est une vertu essentielle pour réussir dans les paris hippiques. Il peut y avoir des périodes de sécheresse où vous ne gagnez pas beaucoup, mais il est important de ne pas perdre patience et de continuer à suivre votre stratégie. Ne cherchez pas à récupérer vos pertes en faisant des paris impulsifs ou excessifs. Et cinquièmement, l'analyse des résultats. Il est donc important de garder une trace de vos résultats de paris pour pouvoir les analyser et identifier les zones à améliorer. Cette analyse vous aidera donc à comprendre les raisons de vos gains ou pertes et vous permettra donc d'ajuster votre stratégie en conséquence. Évidemment, en appliquant ces principes de psychologie du parieur, vous pourrez non seulement améliorer vos résultats de pari, mais également améliorer votre approche globale des courses hippiques. La conclusion de cette vidéo est importante, car elle permet de résumer les points clés de la formation et de donner une dernière recommandation aux spectateurs. Nous pouvons donc commencer par rappeler que la réussite aux courses hippiques nécessite une combinaison de facteurs, notamment une bonne gestion de la bankroll, une analyse approfondie des courses, des pronostics bien établis et une psychologie saine du parieur. Nous pouvons également souligner l'importance de la pratique et de la patience dans l'amélioration de vos compétences du parieur. Il est donc important de ne pas se décourager face aux défaites et de continuer à apprendre et à s'améliorer constamment. Enfin, nous pouvons offrir une dernière recommandation aux spectateurs, c'est justement ne jamais parier plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est vraiment une règle d'or. Le jeu doit être avant tout une source de divertissement et de plaisir, et non une source de stress ou de difficultés financières. En somme, cette formation gratuite a pour but de fournir des stratégies avancées pour aider les parieurs à maximiser leurs gains en course hippique. Nous espérons en tout cas que toutes les informations fournies dans cette vidéo vous seront utiles et vous aideront à réussir en tant que parieur aux courses hippiques. Tiens, laissez-moi un commentaire et dites-moi juste en dessous de cette vidéo ce que vous en avez pensé. Et dans la prochaine vidéo, on regardera ensemble les erreurs les plus courantes à éviter pour augmenter vos gains aux courses hippiques.